regard m'a tué. Définitivement. J'étais parti en ville pour m'acheter du tabac, rendre un DVD à la Bibli, prendre de l'essence, faire quelques courses. Ça s'est fini à la Bibli. J'ai bien tenté de poursuivre jusqu'au supermarché, mais la vue des voitures, du monde, après ce que je venais de subir, ce long regard. Elles étaient assises sur les marches d'escalier du centre culturel. Attendez, je ne sais quoi. Rien, peut-être. Ou moi. Pourquoi pas. Elles étaient deux, mais une seule m'a ostensiblement suivi du regard. Effrontément. Les yeux plongés dans les miens. Je devais juste rendre ce DVD, l'affaire de 5 minutes. Bonjour, au revoir. Elle serait là quand je ressortirai. Forcément. Trop longtemps que je me cache. Que je me protège. Je suis heureux, parce qu'en réserve. Forcément. J'avais dit bonjour en montant, tournant mon regard pour le fixer au sien. Je prépare mon au revoir pour la descente, mais elle me guette déjà, à peine dans l'escalier. La panique, l'angoisse et le ventre qui hurle. Son regard dans le mien, le sourire qui s'esquisse. Pas pour moi, pas en ce moment. Malade, cela me rend, me trouble et me désérénise. Pas de ça, pas maintenant, pas prêt. Peur, bien trop peur, trop longtemps que je me cache, que je me protège, que je suis heureux parce qu'en réserve. Mon au revoir bafouillé. N'est-ce pas? Continue. Me vrille. Je m'efforce de sourire. Le sien est clair et net. Elle me regarde et me sourit. Jusqu'à la sortie. Je suis malade. Trop longtemps que je me cache. Que je me prie. Je suis heureux parce qu'en réserve, trop longtemps que je me cache, que je me protège, que je suis heureux parce qu'en réserve, trop longtemps que je me cache, que je me protège. Que je suis heureux, parce qu'en réserve. Trop longtemps que je me cache. Que je me protège.